notre jeunesse, écoute aujourd'hui une musique congolaise, nigériane, ivoirienne, créée et produite sur le continent africain. Et parce que ce n'est que la préfiguration d'une puissance culturelle, économique, scientifique, politique africaine qui va continuer de se déployer. Notre croissance économique aussi, à nous, Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. Ça n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait. Et tout dépendra de ce que nous en faisons. C'est pourquoi je suis convaincu que le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains.